Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe North. Cette semaine, je vous parle d'une tente, la Backbone de Featherstone, qui vient tout juste de sortir. Elle est disponible dans le 1 place et dans le 2 place. Ce modèle-ci, c'est le 2 place. Premièrement, c'est une tente 3 saisons. Elle n'est pas conçue pour l'hiver, elle est plus conçue pour l'été puis le printemps, automne. Il y a beaucoup de points que j'aime sur cette tente-là. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Je l'ai testée, j'ai dormi dedans, je l'ai montée 3-4 fois aussi ailleurs. Deuxième particularité de cette tente-là, c'est qu'elle n'a pas les tiges en fibre de carbone ou en fil de verre ou en aluminium comme les tentes conventionnelles. Elle se tient avec deux bâtons de randonnée. Fait que pour la marche, pour la randonnée, ça va être parfait de la mettre dans son sac à dos, de mettre les deux bâtons dans vos mains ou sur le côté du sac. C'est à votre discrétion. Une autre particularité de cette tente-là que j'ai pas souvent vue ailleurs, c'est le sac de rangement. Vous le défaites, déroulez. Puis regardez ça, tout l'espace qui reste dans le sac. Bien souvent, quand vous allez arriver pour ranger votre tente dans son sac, le sac va être trop petit, les zippers vont lâcher, vous avez de la misère, il faut le rouler, perdre l'air, le redérouler, le rouler plus tight. Battez avec le sac pour la tente. Avec ce modèle-là, regardez tout l'espace qui reste, c'est merveilleux. Le sac de rangement, je l'adore. Troisième chose, c'est qu'elle vient avec beaucoup de lignes de tension ou de guidelines en anglais, puis elle vient avec beaucoup de piquettes. Des lignes de même, que vous pouvez accrocher puis l'attendre encore plus. Ça, c'est les lignes que j'ai pas utilisées encore. Il y en a qui sont déjà après l'attente. Il y en a que j'ai rajouté. Puis il m'en reste plusieurs que si jamais il y en a qui cassent, je peux remplacer facilement. Les piquettes, ça vient avec une quinzaine de piquettes de deux modèles. Ils sont en aluminium, fait que c'est assez léger. J'ai jamais eu de problème avec eux autres. Ça fait 5-6 fois que j'installe la tente. Tout ça ensemble, c'est 3 livres à peu près. C'est trop lourd pour vous autres. Il y a toujours moyen d'enlever les piquets supplémentaires ou d'enlever les cordes que vous ne servez pas. Puis même de prendre le sac, de l'enlever, de juste mettre ça dans le fond de votre sac à dos. Puis vous allez sauver du poids comme ça. Moi, personnellement, j'aime mieux que ça soit tout ensemble là-dedans. Fait que pour la tente, vous trouvez une place relativement plate. Prenez vos deux bâtons, vous les mettez de côté. Ça, c'est le dessus. Ce côté-là, c'est le côté que vous allez mettre les pieds. Je mets mes pieds à peu près là. Un premier piquet. Je vais venir le mettre aux quatre coins. En faisant le premier, je vais venir prendre le deuxième. On va poigner en bas. On va le tirer, mettre ici à peu près. Très déconseillé d'y aller avec les pieds comme ça. Ça, l'anneau, on va la mettre ici après. Après ça, je m'en viens de l'autre côté de la tente. Et je fais la même chose avec le bas. Je vais remettre la trekking pole en dedans. Et à l'intérieur, il y a une petite poche pour mettre la poignée de votre trekking pole dedans. Ça vient renforcer l'endroit où est-ce que vous allez mettre ça. Pour les piquets, vous pouvez prendre une petite roche, quand vous appuyez dessus, ça va bien protéger votre petite main. Ce qui est le fun, c'est après ça, je peux venir l'ajuster, la mettre plus serrée ou la mettre plus lousse. Au début, je vais avoir tendance à la laisser juste une petite affaire plus lousse puis la resserrer à la fin. Là, je peux venir la retirer un peu ce bord-là. Puis pour finir, je vais mettre les deux derniers piquettes pour les deux vestibules de chaque côté. Pour le vestibule, je peux l'attacher plus serré en tirant la corde ici. Puis je peux choisir quel des deux panneaux que je veux dézipper. Ici, au milieu, il y a un autre point d'attache. Si jamais vous êtes deux puis vous avez besoin de plus d'espace pour la tête à l'intérieur ou les pieds, ou si ils vendent vraiment beaucoup, vous pouvez attacher un autre ici. Sur chaque côté, il y a d'autres attaches pour la solidifier en cas de gros vent. Avec tous les points d'ancrage en bas, les deux en haut, les deux vestibules bien ancrés, j'ai vraiment pas eu de problème au niveau du vent. Il y a un petit filet, fait que ça laisse rentrer de l'air puis sortir un peu de condensation. Comme je disais tantôt, quand on arrive ici, j'ai le choix d'ouvrir ce vestibule-là ou l'autre vestibule. Les deux ont des attaches. J'ai juste à venir le décrocher en bas. Puis dézipper ma porte, la rouler, genre le petit toggle ici qui la retient comme ça. Il y a une petite corde ici si jamais vous voulez passer le bâton de randonnée dedans. La porte. Puis là, la porte intérieure, je ne l'avais pas fermée la dernière fois, mais là, c'est le zipper qui est là. Pour être sûr d'être capable de bien l'ouvrir puis bien la fermer, il faut être sûr que ici, c'est bien tendu. S'il y a un lousse, des fois ici, elle va pogner. Ce que j'aime faire, c'est la fermer puis la remettre dans la poche en arrière. Ça, c'est la grande porte et du côté de la porte d'entrée. Si le vent vient comme ça, c'est parfait. Donc, premièrement, quand on arrive à l'intérieur, quand on rentre,
Vous voyez qu'elle sent que je l'ai déjà utilisé. La preuve. En fond, de ce côté-là, ça serait le côté qu'on mettrait nos pieds. Comme ça. Il y aurait une personne à gauche, une personne à droite. Celle-là, c'est une deux places. Mes pieds-là, quand je me couche, j'amène ma casquette à le même accrocher en haut. Ici, il y a 43 pouces pour les pieds. Puis de ce côté-là, il y a 50 pouces aux épaules. La tête est plus large que les pieds, c'est normal. De chaque côté de la tête, vous avez des bonnes poches qui rentrent quand même pas mal de stock. Il y en a même l'autre côté, la tente est symétrique. Puis où est-ce que vous mettez votre tête? Il y a de l'air qui peut rentrer là, fait que ça peut rafraîchir la tête durant la nuit. Vous avez des crochets comme ça, une de chaque côté. Vous avez une belle vue vers l'extérieur. Ce qui va changer pour la place, ça va être vraiment au niveau de la largeur des pieds puis au niveau de la largeur des épaules. Fait que la une place puis la deux places. La tente est présentement disponible en précommande. Puis si vous voulez un 20$ supplémentaire de rabais dessus, vous pouvez utiliser mon code promo AXE-NORD-PRÉ-20. Que le lien est en commentaire, vous cliquez sur le lien. Vous allez appliquer mon code à la sortie. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine pour une tente que t'as pas besoin de traîner des poteaux que tu peux mettre dans le fond de ton sac. C'est une tente que je recommande à tous. Si jamais vous voulez me voir l'utiliser en action, je l'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos qui va être juste ici.